Coucou, bah c'est moi, c'est Kevin, je viens casser la musique. comme vous pouvez le constater, j'ai la voix un peu plus grave, hein, j'ai mué. Voilà, j'ai 13 ans et demi maintenant. Ah, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, voilà. Donc Kevin le roxeur, célibataire, libre comme l'air, stuff comme un fou. On commence par un war, hein, qui se prétend de nos bêtes noires. Alors que c'est pas vrai, c'est des grosses merdes en fait, suffit de les prendre bien comme il faut. Là c'est assez simple, en tant qu'estropié SPDTC, coup bas, sans froid, estropié, bon bah voilà, il perd toute sa vie, hein. Bah ouais. Évasion réglementaire, contre un war évidemment, c'est important l'évasion. Alors elle est où la bébête noire? Ah, elle est où la bébête noire? Ah, ah bah elle est dans l'eau. Bon là on passe par un mage assez kikou, bisounours, voilà, alors vas-y, ouais, il va prendre l'ascenseur, mais est-ce qu'il va m'attaquer? Oui ou non? Ah il prend l'ascenseur, c'est mon copain. Eh ben non, je suis pas ton copain. Alors je t'attaque. Et là, tu te sens tout con, hein. Bah ouais. Et là, il dit, oh non, il m'attaque. Je recule vers les gardes. Ah, puis non, je l'ai attaqué. Donc, il faut que je revienne vers lui. Ah, je le nova. Ah, bah non, ça résiste. Ah, bah non, je recule vers les gardes. C'est mes copains. Et bah non, les gardes, ils t'aiment pas. On n'attaque pas Kevin le Roxor. Parce que même les PNJ, c'est mes fans. Bon allez, bah viens, on va là-bas. Ça c'est le talent. Il va à un endroit où on n'a pas le plan. Alors ouais, c'est re-moi, bon bah voilà. Moi j'aime pas les gens qui arrivent en retard dans le groupe. Alors quand je peux pas la prendre à l'alliance des bonnes manières, bah je la prends à la horde. Alors voilà, espèce de sale petit prêtre de merde. T'es arrivé 5 secondes en retard. Tu mérites un aller-retour de 3 minutes. Hop là. Ça peut être moisi, je te hais. Alors là, on passe à un SP bête. Eux aussi, ils se prétendent notre, notre bête noire. Toi, tu parles. C'est des bêtes rouges. C'est nul ça. Ouh là là. Donc, vanish. Si évidemment, on n'a pas de dot. Enfin, au pire, il y a Captain, hein, on s'en fout. Donc voilà, on fait le tour de la petite maisonnette. Et on lui fonce dessus. Comme des gros bâtards. Hop. Allez, allez, il est court en plus, il est pas sur sa flamme. Allez, hop. Par contre, là, il a posé de piège juste au moment où j'arrivais. C'est super, le lag de serveur. Bon, voilà, heureusement, j'ai. Je m'en suis sorti parce que mon corps est chaud comme la braise. Et donc, ça s'est fondu. Donc là, je fonce sur le Hunter, je le démonte là, je le démonte, je suis sous évasion et tout. Hop là! Et ça pue, hein, c'est bête, c'est nul, c'est une classe de merde, c'est moisi. Alors là, on passe sur un des combats les plus ridicules que j'ai jamais fait. Bon bah voilà, je l'attaque. Minive direct. Hop, je vais prendre le mob. Bon, on s'en fout limite. Hein. C'est pas ça qui va me. Hein. Bref, lui il essaie de fuir. Hop, il se met sous évasion, ce trou du cul. Et devinez ce qu'il fait en étant sous évasion? Bah, il me sécite. Il va se bander. Voilà, il se bande, pépère. Moi, je suis sous cécité, il est bientôt terminé, il s'en fout, il commence à s'approcher, mais il a oublié d'appuyer sur la touche fufu. Du coup, il se fait défoncer parce que moi, j'y ai pensé. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à courir, à le quitter, et faire des staff-lol. Heureusement que j'écris vite, hein. Attention, troisième dame de t'écriveur au clavier. Ah oui, alors là, j'en connais un qui va s'en prendre plein la gueule. Bon bah voilà, je farme tranquillement sur les plaines de ma grande. Ma réputation pour avoir mon dada. Hop, et qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ah bah, rogue. Ah, MC6 sous poison et rupture. Donc je le tape. Il me tape aussi, donc on se tape quoi. Voilà, donc j'ai vanish dans le vent. J'essaie de passer sous évasion, voilà, je passe sous évasion. Il me tape aussi, il arrive quoi. Ah bah ouais, je suis sous évasion. Ah, il vanish. Et moi je fais quoi? Je cours. Et il me court après, mais bon, il était doté. Et voilà, il meurt. C'est génial.
Allez, prochaine séquence. Bon, alors là, je farm PPR, donc encore une fois sur les plaines de Navrande. Pour avoir un bon nom d'adulte, figurez-vous. Oh, totem, bon, voilà. Je loot et je m'en vais. Et qu'est-ce qui m'arrive? Ah, oh, bah, rogue. Ah, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ah. Et donc, forcément. Bon, il me défonce. Ah, mais non, je suis qui comme ça. Donc, je le retourne quoi. Ce que j'ai pensé à mettre mon acide, moi. Et hop, il se fait défoncer par le mob. Il est trop con. Ah, je me rappelle plus son pseudo. Oh, I believe I can fly. I believe I can touch the skies. Excusez-moi, je suis en train de foutre en l'air la musique. Je vous laisse l'écouter un petit peu. Voilà, donc bah là je suis sur mon bélier, mon kikou bélier. Et là c'est la fête, hein. C'est la fête du Kevin, hein. C'était la journée du Kevin, c'était le 4 août, samedi 4 août 2006-7. Et voilà, donc on passe à du 2v1. C'est un mage et un prêtre spé ombre. Je suis dans spé combat. Voilà. Alors c'est parti, je le défonce comme un ouf. Merde, il a utilisé son acide. Pernicieuse. 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 Quel pauvre. Ah merde, j'ai utilisé trop tôt, vous croyez? Bah non. Et puis il est mort, lui. Et puis là, le petit mage pépé à ça. Allez, reviens là. Hop là. Et ce couillon, je sais pas ce qu'il a, il utilise pas son bloc de glace. Bon, il a peut-être pas eu le temps parce que je suis vraiment trop fort. Ah, il a pas aimé, hein. Oh là, quel bande de noob. Je suis vraiment trop fort. Hein. Et là, on enchaîne sur un chaman et un war. Un chamawar. Et donc, déluge de lames. Hein, forcément, il reste au cac, cet abruti. Voilà, je tue le chaman. J'enchaîne sur le petit war. Bon, il s'était mis life, hein, mais... Enfin, pas tout à fait. Le war, il était à 3 quarts de life et il était à 100 de rage. Prends-en de la graine, Steve Girl, hein. Je suis pas mort. voilà. Et tout est bien qui finit bien pour l'alliance qui peut cybersex de plus belle à la grande sur les petites îles. petite pensée pour l'humain et l'elfette que j'ai retrouvé. non, j'en dirai pas plus. Voilà. Notez qu'un Kevin ne peut pas mourir en instance. Vous connaissez maintenant mon secret, hein. Ah, heureusement qu'ils sont là, les palouf. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein. Et voilà, ben c'est la fête. C'est la fête. Et avec feu d'artifice. C'est la fête du Kevin, ouais.